kwa sasa tunatatengeneza ta ya kuguu. Njoo mpaka. Sawa gya. Niletee kumoto. Sawa. Mimi nakuuliza kama unatafa nini sasa? Est-ce que le microphone ne peut même pas tirer quand ça y est de l'autre côté? Je crois que si. Là dans ce cas, il faut parler à l'autre plus fort. Oui. Ça va tirer? Oui. Oui, nous disons que ici nous commençons par les initiatives locales qui font la promotion notamment de développement à travers des initiatives locales. À ce jour, nous venons faire avec vous un périple du côté du sud-ouest de Boutembo. Nous sommes au mont Louboué. Voilà, je vais vous faire découvrir avec notre expert du jour. Il s'appelle Monsieur Michael. Bienvenue Monsieur Michael. Merci beaucoup. Oui, nous allons parler avec vous ce jour de l'apiculture. C'est la culture des abeilles. C'est je ne sais pas s'il faut le dire, l'élevage ou comment, des abeilles. Est-ce qu'un terme bien plus spécifique existe pour qualifier ce terme-là de l'apiculture? L'apiculture, rien autre que l'élevage d'abeilles, des abeilles, comme vous l'avez annoncé. C'est vraiment... le fait d'élever les abeilles pour aussi profiter des avantages que les abeilles accordent à l'humanité. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez compris à quelques mots, mais je ne voudrais pas vous présenter mon invité de ce jour avant que vous sachiez les différentes procédures que nous allons suivre pour l'extraction notamment du miel. C'est ce que nous sommes venus découvrir ici avec M. Michael au mont Louboué. Nous sommes au sud-ouest de Boutembo. Et dans ces périples, nous allons aussi vous parler non seulement de l'extraction, nous allons aussi vous parler de comment produire de l'abeille. On va commencer du début jusqu'à la fin. Et maintenant là, je crois que la première phase, c'est la préparation. Comment on se prépare pour extraire les abeilles, notamment et plutôt du miel? Bon, la préparation pour l'extraction du miel, ça commence d'abord par les pores de tenues apicoles. C'est la première des étapes que nous allons au moins suivre tout à l'heure. Et avant ça, on doit d'abord se rassurer que la fumoire est allumée. Merci. Michael, nous vous voyons accroupi par terre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tout à l'heure, nous sommes en train de préparer la fumoire pour que ça puisse au moins donner de la fumée. Et juste pour au moins annoncer notre arrivée aux abeilles, parce que la fumée vraiment c'est quelque chose qui facilite les abeilles à pouvoir aller de l'autre côté, que ça puisse diminuer leur agressivité. Et pourquoi commencer cette étape avant d'avoir porté des tenues pour l'extraction du miel par exemple? L'installation de cette fumoire, ça commence parce que quand on pourra porter les tenues apicoles là, ça ne pourra pas permettre, comme avec des gants qui sont un peu plastiques, vous risquerez de les incendier. Alors, c'est prévoir que non, qu'on puisse d'abord penser à cette étape, avant qu'on puisse se vêtir, pour permettre qu'on puisse prendre soin de nos matériels. Oui, voilà. Et là, vous dites que c'est quoi de fumoir? C'est la fumoir. Oui, oui. Ça sert à quoi? La fumoir sert vraiment à donner de la fumée, juste une façon de rétrécir l'agressivité des abeilles, parce que lorsque la fumée est pressionnée, les abeilles ne seront plus agressives. Ils pourront au moins connaître qu'il y a
à arriver d'un expert et qui pourra les traiter comme une culture normale. Et d'ici là, je mets un peu de feu. Je mets le feu pour pouvoir allumer. Oui, vous dites que c'est, ce fume, c'est cette fumée qui va seulement chasser les abeilles. Bon, cette fumée va diminuer l'agressivité des abeilles. Mm-hmm. Donc, quand vous pouvez vous présenter en face d'une ruche et que vous puissiez d'abord annoncer les abeilles et que vous êtes déjà là avec cette fumée, ça pourra permettre que son agressivité ne puisse plus se faire attendre. Mm-hmm. Et là, les abeilles ne vont plus trop piquer. Quoique les piqûres restent toujours leur catégorie, leur caractéristiques, mais nous osons croire qu'avec cette fumée, ça annonce déjà l'arrivée d'un expert en apiculture, que non, les abeilles n'ont plus rien à s'attaquer, mais plutôt espérer qu'on aura vraiment à les traiter d'une bonne façon. Alors si on pouvait mettre pression en face d'une ruche, les abeilles vont sentir que vraiment cette fumée ne va plus permettre qu'il y ait vol des abeilles, mais plutôt les abeilles vont commencer à s'accrocher sur la ruche, ça que ça puisse encore plus passer au fait de s'attaquer à quelqu'un d'autre. Mais là, ça va commencer à ramper que de voler. Mm-hmm. Voilà l'utilité et puis à bref de cet affimoir. Mais c'est tellement utile, c'est le tout premier outil pour un apiculteur qui peut toutefois prendre soin de sa colonie d'abeilles. Bon, merci. Et là, c'est fini. Je crois qu'on parle maintenant de ce vêtir. Oui, oui. Là, c'est la deuxième étape où on fait le port de tenue apicole. Et après cette étape, on pourra prendre ça quand on est déjà vêtu. On croit que le danger de pouvoir exposer nos gants comme soit en plastique, ça ne va plus être attaqué par, au moins, je dirais, que la chaleur qu'on peut faire en face à cet instrument. Merci. Oui, oui. Peut-être en train de parler. Oui. Oui, c'est... Alors, pourquoi avoir changé de tenue? Là, on sera très sale. Bon, changer de tenue, c'est se protéger contre les piqûres d'abeilles. Parce que, quoique les abeilles, c'est un élevage comme tout autre, mais vraiment l'agressivité des abeilles demande plus de protection. Donc là, vous avez fini à vous habiller? Non, non, ça c'est seulement mettre les pantalons. C'est la toute première étape que je suis en train de mettre. La deuxième des choses, c'est rassurer qu'à travers ces bottines, on n'aura pas au moins de piqûres. Et pourquoi prendre toutes ces feuilles? Bon, nous en prenons juste pour mesures préventives, parce que si l'abeille trouve, que l'abeille ne puisse plus trouver où passer, parce que on se rend compte que non, pendant cette activité, les abeilles auront tendance à pouvoir survoler partout ou chercher par une petite porte d'entrée. Parce que ça ne pouvait pas, au moins je dirais que laisser que personne ne puisse porter ses miels, ça que ça puisse au moins s'entraîner au moins à la personne. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser le pantalon au-dessus de votre chaussure?
Vraiment non, parce que les abeilles sont très curieuses. Et il y a, à part les moments de se volatiliser, ils pourront ramper et chercher où entrer. Et dès que l'abeille entre à l'intérieur, les autres aussi vont profiter de cette même entrée qui puisse se succéder. Alors on aura vraiment à être exposé à plus de dangers qu'expose, moi je dirais, que les piqûres d'abeilles à plus de 10. Est-ce que c'est une règle universelle ça? Vraiment, les piqûres d'abeilles à plus de 10, c'est déjà toxique, mais moins de 10, c'est tout en fait vaccin. Voilà pourquoi, quand on peut toutefois se protéger, ça rend sûr que vraiment vous ne serez pas piqué, vous serez bien protégé face aux piqûres d'abeilles. Wow. Et là, je crois qu'on continue. Je peux avoir les... Ah, je peux avoir. Eh oui. Eh oui. Il y a un journaliste. Vous tenez toujours à votre cage de service. Oui, oui. Pourquoi? Je peux le mettre à côté, c'est pas grave. Mais je suis toujours au boulot, même face des abeilles, c'est toujours le boulot. Pourquoi prendre ça? Nous prenons ceci juste une façon de se protéger, comme des piqûres d'abeilles peuvent penser des tissus à un autre. Oui. Et donc vous rassurez que cette tissu peut vous protéger contre des piqûres? Tout enfin. Même si les abeilles pouvaient piquer de l'autre côté, ça ne va pas passer de l'autre côté là pour au moins atteindre le corps. Mais disons du tout que ça ne respecte pas les règles hygiéniques. Non, ça respecte parce que les tenues, d'abord, c'est l'habit de tout et chacun. Chacun doit avoir son tenue. Donc, ça, l'habillement est personnel. Ça ne pouvait pas être vraiment les tenues de la famille où on pourra se partager ou dire que tel va porter les tenues de l'autre. Non, vraiment, chacun, un apiculteur qui se respecte, doit avoir son équipement complet qui ne doit pas être cédé à personne pour se protéger contre les conditions là, hygiéniques dont vous faites parler. Oui. Avoir la ceinture. Ceinture. Oui. Votre propre ceinture, comme moi ici. Ah. Oh.
Je suis un peu plus de temps.
Monsieur Michael, qui va maintenant nous expliquer après cette phase de préparation, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Michael, bonjour encore une fois. Bonjour, merci monsieur. Voilà, fini la phase de préparation, on s'apprête pour aller maintenant faire l'extraction proprement dite du miel. Tout en fait. On a besoin de quoi maintenant là? Tout à l'heure, on a besoin d'une machette avec laquelle je vais m'en servir pour pouvoir récolter le miel. Oui, oui. Elle est déjà prête? Oui, oui, la machette est à quelques mètres. Oh, oui. Voilà, avec encore des seaux, je vois par terre. Oui, oui. Et puis des fumières. La fumoire aussi, c'est déjà là, voilà. Oui. On peut amener un peu la fumoire.
Ah oui, papa, la fumoir aussi, ça reste déjà là. Voilà des fumoirs pour chasser, pour diminuer diminuer l'agressivité des abeilles. Oui, oui. Voilà. Fidèles téléspectateurs, ici maintenant, nous voulons commencer notre périple du jour. Nous allons voir comment on extrait du miel, mais aussi il va devoir nous expliquer comment se fait la production du miel du début jusqu'à obtenir le miel proprement dit. Et bientôt là, nous allons commencer notre tour. Et c'est pour quand? Est-ce que c'est tout de suite? Oui, oui, tout à l'heure, on est à pied d'œuvre. On taque quelques secondes pour faire une escale tout juste ici à côté du richet. Comme nous sommes déjà dans l'environnement, on n'aura plus rien à entendre. On fait tout à l'heure le terrain. Voilà, on parle de richets et de ruches. Les richets, c'est les champs de ruches. Donc la concession qui abrite les riches, c'est les richets. Voilà. Il y a ruchers et ruches qui sont totalement différents, mais qui renvoient dans un même contexte. Monsieur Michael, merci. Je crois que maintenant, là, nous allons commencer notre périple. Les gants, ça sert à quoi? Les gants servent à protéger au moins les piqûres d'abeilles contre les mains. Comme vous avez constaté, on était comme obligé de pouvoir couvrir toutes les parties possibles où l'abeille peut toutefois piquer. Donc là, on se rassure que l'abeille n'a plus où ça peut penser. Pour casser que les piqûres puissent atteindre. Et les mains, pour assurer que c'est bien fait, on y fait avec encore les on utilise ces rondes. C'est lance-pierre. Pour se rassurer que vraiment l'abeille ne peut plus retrouver où passer. Et que vous êtes toujours bien protégé. Voilà pourquoi l'effort des gants rassure. Et l'apiculteur, même les abeilles, parce que quand ils peuvent vouloir piquer, ça va toujours au moins glisser sur ces gars qui sont toujours de cette façon. Voilà pourquoi les ports des gants, c'est toujours tellement utile et très exigé pour casser qu'on ne soit pas attaqué par des abeilles. C'est la fumoire. C'est une fumoire. Oh oui. Cette fumoire, il faut constamment la réanimer pour qu'elle ne s'éteigne pas. Oui, oui. Oui. Nous poursuivons notre chemin. C'est tellement dur à l'avouer parce que là, on est en train de monter. C'est presque toute une folie. Pourquoi avoir choisi de diriger votre ruche? Donc en fait, aller à la colline, c'est aussi épargner la population environnante aux différentes attaques que peut présenter les abeilles. Et comme tout à l'heure, nous venons au moins d'arriver sur la toute première ruche et nous sommes là. Voilà, je sens des mouvements d'abeilles autour de moi. Oui, oui. Non, il n'y a rien à craindre. Vous êtes bien habillé, vous êtes vraiment sur le bon voie. Et nous sommes en face d'une ruche. Et la qualité de la ruche que nous avons, c'est d'abord la ruche kenyane, une ancienne marque avec laquelle les apiculteurs pouvaient se servir. Et à tout à l'heure, on vient d'avoir les rayons d'abeilles. Il y a les rayons d'abeilles que nous avons en face de nous. Et ces rayons d'abeilles, comme vous pouvez le constater, le miel est là-dedans. Nous sommes en face de miel. Ça, c'est du miel vraiment. Comme je le disais tantôt, ça, c'est le miel en nectar. Le miel qui n'est pas encore mûr. Donc, ce miel pouvait nous servir d'exemple pour qu'on sache le miel qu'il y a à cours de formation. Et les abeilles eux-mêmes n'ont pas encore attesté sa période de récolte. Voilà pourquoi nous pouvons directement vous présenter la deuxième catégorie du miel, qui n'est rien autre que le miel mûr et qui est en face de nous. Oui, oui. Un instant. Oui. Et le miel est là. Le miel qu'un apiculteur peut récolter, qui est couvert d'une deuxième couche, contrairement à ce que je viens de vous montrer tout à l'heure.
c'est cette deuxième couche qu'on appelle le perquil. Et c'est cela qui atteste vraiment que le miel est prêt à être récolté. Et un apiculteur bien avéré doit toujours récolter le miel mûr qui contient au moins tous les ingrédients nécessaires, qui est déjà au moins prêt à être récolté. Comme vous pouvez constater, on sera comme obligé aussi de vous présenter, si on pouvait aller de l'autre côté, ça c'est le miel. Et vous voyez que nous sommes vraiment en pleine récolte. Et comme avec ces mois, vraiment, c'était moins de miel. Oui. Et comme vous-même, vous pouvez le constater, l'agressivité des abeilles n'est pas vraiment... Oui. Parce qu'avec les techniques que nous avons usées, et si on pouvait, au moins, celles-là qui peuvent douter de la qualité qu'on peut toutefois en avoir, ça va facilement nous aider. C'est ça le vrai miel, le mûr. Le miel au perquilé qui peut toutefois être utilisé dans beaucoup de pratiques. Parce qu'avec ce même miel, si vous pouvez en avoir, ça pouvait au moins intervenir dans beaucoup de choses vraiment au même moment. Parce que ça, pour les femmes qui sont enceintes, et si elles s'apprenaient à en prendre ça, vraiment, ça pouvait permettre qu'à ce que leur col soit prêt à être ouvert à n'importe quel moment. Le col utérus. Oui, le col utérus. Le miel mûr ici. Pas une autre qualité du miel, seulement le miel mûr. Si on pouvait en retrouver, comme vous pouvez le constater maintenant, et c'est presque toute la riche qui prouve que nous sommes à beau terme de récolte. Si vous pouvez le constater, et à quelques mètres, on est toujours là en train de voir comment on peut exploiter. Et si on pouvait s'orienter de l'autre côté de la riche, vous alliez comprendre vraiment que les abeilles, cette colonie, c'est une colonie courageuse qui est en train de faire des sommiers pour casser que ça puisse aussi donner la population, les miels de qualité. Oui, voilà. Il faut que je dise aux téléspectateurs que c'est pas facile parce que on est en face d'une situation à laquelle on n'est pas habitué. Moi, personnellement, journaliste, je ne suis pas habitué. Je crois que pour moi, c'est une découverte et puis c'est une situation que j'ai envie de présenter aux téléspectateurs. De la sorte, est-ce que ici, vous voulez dire qu'il y a des mois déterminés pour savoir que le miel est déjà prêt ou... C'est le nombre de mois accomplis qui détermine juste que le miel est déjà prêt. Bon, le miel en soi, la période de récolte est saisonnière. Il y a la grande saison qui commence en avril. C'est les premières récoltes qu'on peut faire pour un apiculteur. Et la deuxième récolte doit se faire au mois de juillet. Et le dernier doit se faire au mois de septembre. Voilà les grandes campagnes. De les tirer, moi, en vrai dire, pour ceux-là qui sont du milieu, la vraie campagne de culture du miel, qu'on peut au moins venir, si vous arrivez pendant cette période, vous ne serez pas décidé de voir au moins des colonies d'abeilles qui peuvent toutefois donner du miel mûr. Donc, c'est quand on constate une colonie importante.